Qu'est-ce que tu fais là? On n'a pas le droit de regarder? Non, c'est défendu, fiche le camp! Ça me plaît de rester! Je t'ai déjà dit, fiche le camp! Fils d'ivrogne! Alcoolique! Fils d'ivrogne! Fils d'ivrogne! Oh, mon Joselito, mais vu aussi sale. Je suis comme ça tous les samedis, pourtant. Mais tu te laves jamais? Oh, si, au souvent. Je me suis lavée deux fois cette semaine. Alors, viens. On ne me lave pas. Une idée, ça ne se voit pas, les oreilles. Mais si, ça se voit, de côté. Regarde. Qu'est-ce que c'est? C'est Canelo. Je l'ai sculpté au couteau. Tu en as des idées. On dirait tout sauf Canelo. C'est ma foi vraie, ça ressemble à un loup. J'ai bien failli le casser. J'ai dû flanquer une volée à un garçon. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a eu? Je ne veux pas me laisser insulter. Ils étaient 10 contre moi. Peux-tu me dire pourquoi on me traite de fils d'ivrogne? Pas de raison. C'est des histoires de gosses. Dans ce village, les gens sont pas bons. Il y a qu'à les punir. C'est une bande de lâches. Je leur ai lancé des pierres à tous. Je t'interdis de faire ça. Alors qui m'insulte plus? Allons, allons. Lave-toi. Tiens, prends, c'est l'argent du mois. Comme demain ici, c'est la fête, le patron m'a dit, voilà, peut-être que tes parents en auront besoin. Eh oui, on en a besoin. Je ne travaillerai pas chez les autres si on ne manquait pas d'argent. Allez. Oh, oui. Oh, maman. Allez, ferme bien les yeux. Oh, c'est pas encore fini. Ah, avec la serviette, la crasse va s'en aller. Allez, viens. Tu vas être beau. Oh, c'est maman, c'est... Oh, tu as plus peur de l'eau qu'un chaton. C'est le coucou? Eh oui. Oh, je suis arrivée en retard. J'aurais dû me mettre en route à midi au lieu de 4 heures. C'est que j'ai fait la sieste, maman. Maintenant, j'ai l'habitude, à midi, je dors. Tu te lèves si tôt, chérie? Oh, raconte-moi l'histoire du vieil oncle. Mais tu la connais déjà par cœur. Ça fait rien, vas-y. Cette histoire m'amuse toujours. Quand je t'aurai mis au lit, viens. Attends un peu que j'enlève mes chaussures. J'ai plein d'ampoules. J'ai fait arranger le gramophone, tu sais. Ah oui? Oui, c'était le ressort qui était cassé. Va voir là-haut. Oh. Alors, il meurt. Ah, ils l'ont bien réparé. Ne le recasse pas, surtout. C'est un cadeau de l'oncle Zebio, pas étonnant. Oh, il est magnifique. Ce que j'aimerais l'emmener au pâturage.
Ton pauvre troupeau serait délaissé. Oh non, les moutons sont peut-être bons musiciens, mais ces disques-là ne valent vraiment rien. C'est que tu ne les ménages guère. Manuela. Oh mon chéri. Manuela, où est l'enfant? Dans sa chambre. Pourquoi viens-tu si tôt? Tu pouvais attendre la nuit. Je veux le voir. Non, va-t'en, il va t'entendre. Je t'ai dit que je veux le voir. Pas dans cet état-là. Il ne sait pas que tu es perpétuellement ivre-mort. Il ne le sait pas, mais il peut l'apprendre. Déjà, on l'insulte pour ça. Va-t'en. Écoute. Qu'est-ce qu'il y a? Nous sommes à la fin du mois. Il a touché de l'argent. Non, il ne l'a pas touché. Menteuse. Sébastien. Où as-tu mis la paye? Le gosse n'a rien apporté. Où l'as-tu caché? Sébastien, où l'as-tu caché? Lâche les sous. Maman! Oui, mon chéri. Va-t'en d'ici. Du gramophone. Il me donne des leçons. À présent, il marche bien, mais c'est les disques qui sont mauvais. Tu sais pas qui en a beaucoup, le curé. Tu lui en demanderas. Il est très fâché contre nous parce que jamais tu ne chantes à l'église. Maintenant, il faudrait peut-être dîner. Je t'ai fait le plat que tu préfères. De la bonne morue au chou avec du saucisson. Il y a du chocolat? Oui, bien sûr, j'y ai pensé. Tu vas te régaler. Je voudrais le boire maintenant. Non, 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 tu l'auras comme dessert. La morue et le chocolat ont toujours fait un excellent ménage. Alors, je vais voir papa cette fois, non? J'ai peur que non. Oh, et pourquoi? Il travaille encore? Certainement. Allons, mange. Dépêche-toi. Mmh. Oh, c'est délicieux. Thank you.
sale el sol, se va la luna. Fuera lucero le diría, que juntos nos trajeran la fortuna, que bien irían el sol y la luna juntos. No habría noche si yo no tendría miedo, y mis ovejas guardadas por el canelo verían que ya ni sombra, que ya ni lo. Moi, ce que j'ai mangé, bien sûr. Tu m'as l'air d'avoir faim. Viens vite voir Crispin. Crispin! Viens, mon Canelo. Crispin! Va chercher Crispin. Va vite, oh. Oh, qu'est-ce que tu as, Canelo? On va le chercher. Je suis l'ogre, Matasco, qui vit dans une grotte. Je mange mes brebis, mais je suis capable de dévorer mon berger. Mais je préfère les petits oiseaux. En voilà une idée. C'est une idée de génie. Qu'est-ce que tu penses de ça? Ben, je pense que c'est... Je l'ai fait pour toi, pour que les vautours ne descendent pas manger la petite brebis. Ah oui, laquelle? Celle que je t'ai gardée. Elle est née avant-hier soir. Viens voir. Avant-hier soir? La vraie. Regarde comme elle est jolie. Oh, elle est vraiment à moi? Puisque je te le dis. Oh, elle est mignonne, on peut le dire. Elle est nétard, c'est rare à cette époque-ci. Il n'y en aura plus cette année. Eh bien, je vais l'appeler Primo. Est-ce que tu... Tu la baptiseras ce soir à l'ermitage. Oh, pas de danger que j'y entre. Pourquoi? Parce que j'ai peur, voilà. Bébé, il n'y a rien là-dedans. Et alors, pourquoi les oiseaux en sortent et n'y passent jamais la nuit? Ils vont juste prier le Seigneur. Oui, prier le Seigneur. Tu sais prier, toi? Oh, oui. Alors, comment on fait? Oui, mais je ne sais qu'une seule prière. C'est pas beaucoup. Tu devrais me l'apprendre. Pour baptiser ton agnel? Je ne suis pas aussi idiot que tu crois. Allez, vas-y, dis-la. Sainte Marie, Mère de Dieu... Ça, je le sais déjà. Écoute, récite une litanie. Une litanie? Oh, ça, c'est une chose bien facile. Il suffit de dire « Ora pro nobis ». Tu m'as apporté mes cigarettes? Oui. Donnez-moi. Tiens, voilà. Si le cœur t'en dit? Non. T'es trop jeune pour fumer, hein? Tu veux pas de l'homme? J'aime pour ça. Au revoir, ça te regarde, mon gars. Hey, écoute! Faudrait lui chanter quelque chose, toi qui passes ton temps à chanter. Bonne idée! Toi, écoute bien, je vais chanter pour toi. Me ha traído la mañana, si no me engaño, que es una joya de mi rebaño. Y antes que hacerse grande, tan poca cosa. Quiero ponerle el nombre de Primorosa, de Primorosa. Esta ovejita nueva que me ha nacido, que me ha nacido. Y ha dicho madre, madre, con su balido, madre.
con su valido. Je te le dis, si le curé t'entendait, tu serais pas ici. Dis donc, est-ce que ça a bon goût? C'est du tabac, voilà tout. Mais c'est comme le chocolat. C'est meilleur. Oh, donne un peu pour voir. Oh, mon sang, ça a le goût de ça, t'es pas chic. C'est quoi, ça a pas le goût de chocolat? Oh non, c'est horrible. Quand je serai grand, je ne fumerai pas. Moi, je te dirais que je fume pour que les femmes me remarquent. Allez, je m'en vais. Au revoir, Joselito, je vais tondre les moutons. Je suis content d'avoir la petite Agnelle. Eh ben tant mieux. Et surtout, hein, soigne-la bien. Te baptiser, non, c'est pour les enfants, ces choses-là. Mais on va prier tous les deux pour que la Vierge te défende contre les vautours. Et tant pis si j'ai peur, on va entrer dans l'ermitage. À tout à l'heure, oncle Pierre! À tout à l'heure! Viens, ma Primrose, ayons du courage. Tu le veux? Pour qu'il me crasse un œil? Ça risque rien, j'en dénise beaucoup. Et à chaque fois, je touche 2 €. Ça fait les cigarettes, c'est une bonne affaire. Eh bien, emporte-le, ses parents vont venir, ils vont manger mon agnelle. Tu veux pas le garder? T'en es sûr? Non, arrête! Mais ça risque rien, je te dis. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est un saint. Tu fais un saint? Pour qui? Pour l'ermitage. Et ça, c'est quoi? C'est le nez? Oui. Ah, il est un peu long, je trouve. Attends, je vais le raccourcir. C'est très facile. C'est bien. Ah oui, il ressemble au sacristain. Il est bizarre, ton fils. Dites-moi que je te le casse sur la tête. Attends, qu'il ressemble à quelque chose. Allez, bon, je m'en vais. Je retourne sur le coteau où sont les moutons, parce que si l'idée leur prenait de saccager le seigle du vieux Vincent... Les... Allez, au revoir. Sale bête, ton aiglon. Hé, hey, dis, tu devrais le peindre, ton saint. Le peindre? Oui, je suis sûr que Félix saurait le peindre pour toi. Chez ma mère, il a peint un placard. Mais un saint, c'est autre chose qu'un placard. Oh, quand on peint une chose, on sait en peindre une autre. Alors, c'est ça que tu voulais? Ça te plaît? Très bien réussi. Ah. Donne-le. Ah, j'ai un peu arrangé. Ouais, elle reconnaît que ses mains avaient l'air de battoir. Et alors, ses yeux, il avait le gauche plus haut que le droit. Oui, il ressemble maintenant à un saint. Et ça, qu'est-ce que c'est? Une palme. Tous les saints ont une palme. Et bien sûr, il y a des saints qui portent un petit chien comme Saint-Roch ou un petit cochon comme Saint-Antoine. Mais les autres, c'est une qu'ils portent. Pourquoi? Oh, moi, je sais pas. Mais écoute... Tu dois décider une chose, si c'est un saint ou une sainte, car on ne sait pas comment l'appeler. Qu'est-ce que tu en dis, toi? Ça, c'est monsieur le curé qui décidera. Si je lui peignais une barbe, hein? Allez, donne que je lui fasse. Oh non, une barbe? Non, non, je vais l'emporter. Au revoir, monsieur Félix, et merci encore. Au revoir. Ah, dis donc, et comment tu vas me payer? Vous aimez le lait de brebis? Oh, bien sûr que j'aime ça. Je vous en donnerai chaque samedi un pot de 2 litres. Ah. Joselito,
avez raison. Il est mieux sans barbe, n'est-ce pas, Canelo? Mais faudrait une sorte de piédestal pour qu'on le voie de loin. On va faire ça tous les deux. J'ai eu peur, garçon. Que faites-vous ici? J'invoquais Sainte-Barbe. Pourquoi Sainte-Barbe? C'est son ermitage. Ah. Tu vois, Josée, elle n'a pas de château. Non. Non. Et Sainte-Barbe, sur ses images, a toujours un château. J'en construirai un. Toi, il faut qu'il soit bien grand et très haut, parce que malheureusement, je ne vois pas très clair. Heureusement que Félix, lui, a papa une barbe. On aurait eu du mal à le faire passer pour une sainte. Tu gardes toujours ton troupeau par ici, pas vrai? Oui, oui. Eh bien, aide-moi à nettoyer un peu tout ça, Josée. Oh, oh, c'est du beau. Comment laisse-t-on mon ermitage? Que fais-tu, Josée? Il lui faut un piédestal pour qu'elle soit plus haute. J'en apporterai un. Oui, oui. Allez, viens. Voyons, voyons. Ici? Eh oui, l'endroit est tranquille. Ici, c'est une église. Qu'est-ce que tu racontes, une église? J'ai passé bien des nuits dans ces ruines. Maintenant, il y a une sainte. Oh, c'est ça? C'est moi qui l'ai faite. On s'en douterait. Vous ne comptez pas vous en aller? Tu vois que non. Remettez les cierges sur l'autel, je vous ai vu les voler. Ouais, ils sont à toi? Ils sont à elle. À qui ça? À ma sainte. Je vous ai déjà dit de partir. Tu vas me laisser dormir, oui ou non? Non, je vais vous jeter des pierres. Je vous laisserai pas fermer l'œil. Je chanterai tout le temps pour vous empêcher de dormir. Tu vas t'en aller d'ici, sale gosse. Aïe, je prépare l'attaque. Tu as dans la gorge? Non, monsieur. Une fortune, une vraie fortune. Le médecin dit que c'est des amygdales. Oui, tu parles. Viens là. Viens là. Viens t'asseoir ici. Aïe! Tu es berger, petit? Oui. Ça te dirait d'être riche? Comment, ça ne te dit rien? Tu ne sais pas ce que c'est? Si, je sais. Il y a quelqu'un de riche dans mon village.
L'oncle Eusebio. Tu changerais pas avec lui? Oh non, monsieur, il est trop vieux. Il a sans doute une magnifique automobile pour se balader. Juste un bourricot. Ah, petit, si tu viens avec moi, dans 6 mois, tu seras devenu... Qui êtes-vous? Moi, je suis un aveugle. Aveugle, c'est-à-dire pas exactement. Non. Je suis un artiste. Je demande l'aumône un peu partout. J'ai ma clientèle, les gens bon cœur. Ils sont émus, car ils font bien grâce à moi. Ils font acte de charité. Et je distrais le monde avec ma guitare. Moi et toi, nous ferions un couple épatant, la charité mêlée à l'art. Petit, viens avec moi, tu verras des foires merveilleuses. T'as jamais été dans une foire, hein? J'ai vu celle de mon village. Oh, j'ai la gnognotte. Je crois que si tu viens pas, tu feras une bêtise. Non, non, je regrette, monsieur. Bah, tu n'as pas envie d'être riche? Non, on a des rhumatismes, on est vieux et... Oh, tu vas le regretter. Ça te regarde après tout. Mais écoute... Demain, je pars. Demain, je vais à Morel del Rio. Et le 9, je serai à la foire de Mona Gibel. Elle est grande, celle-là, la plus grande du monde. À côté, le carnaval de Venise, la grande exposition de Barcelone, c'est rien du tout. Ne vaille pas. Plus beau que la foire de Montgibel, il n'y a rien. Il y a des tas de charlatans, des tirs, des manèges. Une année, il y a eu la femme éléphant et je sais pas quoi encore. Tu comprends pas ce que tu perds, mon petit. Joselito. Tu t'appelles Joselito? Oui, et vous, monsieur? Pepino. Qui t'appelle? C'est le berger qui rentre de la tente au Carigal. Bien. Je regrette que ça te dise pas d'être millionnaire. Tu sais pas ce que je perds. Ce que tu perds. Au revoir, garçon. Bonne journée. Salut. Salut. Qui c'est, celui-là? Un drôle de type. Et où il va? Au dormir dans l'ermitage. José, écoute, rends-moi service. J'ai 6 brebis de malades et je suis embêté. Veux-tu que ma sainte les guérisse? Bon, elle voudra pas, tu penses? Cours au village pour m'apporter des cachets du vétérinaire. Bon, d'accord, j'irai samedi. Oh non, d'ici à samedi, elles seront mortes toutes les 6. Je t'en prie, vas-y. Mais pourquoi pas toi? Mais parce qu'il faut que je les soigne. Tu seras revenu avant la nuit et moi, je soignerai tes moutons. Bon, j'irai. Mais voilà, j'ai conduit mes moutons ici pour qu'ils passent les heures de chaleur tranquilles. Il y fait frais, c'est un bon endroit. Et je veux que maintenant, ce soit mon enclos. Et qu'est-ce qu'ils vont manger, là, des pierres? T'étais mieux dans l'autre pâturage, elle est courte. Va vite. Tu t'occupes de ma sainte? Ce type-là me fait peur. T'inquiète pas, je veillerai. Va chercher le médicament, vite. Oui. Tu vends des choses qui ne t'appartiennent pas. Donne-moi la clé de la commode. Non. J'en ai assez dit, pour y bon gré mal gré, tu me la donneras. Je te préviens que si tu me brutalises, j'avertirai tous les voisins. Ils sauront une fois pour toutes ce que tu vends. Et toi? Non. Si tu préfères, je vendrai ça. Non. Non, jamais. Notre fils y tient tellement. Oh non. J'ai besoin d'argent, j'ai des terres. Non, ça ça ou ton collier. Non. Réfuse-moi la paix. Joselito. Joselito. Joselito, mon chéri, mon Joselito, 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 Joselito. Qu'est-ce que tu veux? Je pars avec vous, monsieur. Comment? Je pars, mais à une condition, c'est de partir à l'instant même. T'as changé d'avis? Oui, dépêchons-nous. T'as pas de parents? Non, monsieur. Tu n'as pas de parents? Eh ben alors, je serai un père pour toi.
Je connais assez mal leur rôle de père, mais je me débrouillerai. Tu verras comment on va t'entendre. Mais allons-y, monsieur. Une minute. Où diable s'est-il encore caché? À l'œuvre-là. Pourquoi faites-vous ça? Ça porte bonheur. Comment? Ça porte bonheur. Ah, c'est drôle de croire à ça. Je sais ce que je dis, je l'ai trouvé ce matin, c'est un signe de chance. Bon, dépêchez-vous, je vous attends dehors. D'accord. Écoutez, hein? Voilà l'autre berger. Ne lui dites pas que je suis ici, hein. S'il me voit, il me forcera à rester. Sois tranquille. Joselito! Est-ce que vous avez vu le garçon? Quel garçon? Le petit berger. Ah, il vient de partir. Dites-lui que j'ai pris la boîte de médicaments. Et je lui laisse son agnelle ici. Bon. Mais vite, il faut partir maintenant. Qu'est-ce que vous faites? Je lui avais demandé qu'elle... Je lui avais promis de lui offrir 2 cierges si tu venais avec moi. Et tu vois que pour un homme comme moi, une parole, c'est sacré. Allez, viens. Je m'en vais avec lui. Je te confie mon troupeau, quand en soit surtout. Je vais revenir. Et si c'est vrai l'histoire du fer à cheval, je rapporterai de l'argent pour ma mère. Comme ça, mon père ne m'abattra plus et je pourrai te faire bâtir un bel hôtel. Primrose. Allons-y. Canelo! Qui est Canelo? C'est mon chien. Bon, laisse ton chien tranquille. Mais je veux l'emmener. Pourquoi faire? Ce chien va t'encombrer, petit. Qu'on amène la nielle, ça va, parce qu'elle, on peut la manger. Mais le chien, mon ami, il n'y a rien à faire. Nourrir une bouche de plus. Bon, alors qu'il reste? C'est ça, lui doit rester parce qu'il faut qu'il garde tes moutons. Mais je te l'ai dit, je suis d'accord pour ce qui est de ta brebis. D'ailleurs, elle va manger que de l'herbe. Vous jurez que vous la tuerez pas, hein? Jamais. Jamais. Bah dans ce cas, pourquoi tu tiens à t'en encombrer? Qu'est-ce qu'elle sait faire? Bah, Primrose me suit comme un chien, elle connaît que moi. Oh, ça, José, c'est pas assez. Si seulement c'était une bique, on pourrait peut-être la dresser. Bon, je crois que je réussirai à te persuader que si on la rôtit avec beaucoup de petits oignons, on va s'en laisser des babines. Allons, allons, il faut partir. Viens, Joselito, dépêchons-nous. Non, pas par là, on pourrait nous voir. Ah, par ici, alors. Il ne peut pas être bien loin. Nous avons cherché par là, le père Pierre et moi. Il n'y a rien. Je crois qu'il faut faire une battue. Vous? Allez par ici, du côté de Soma. Ceux-là iront par le vallon et rentreront par le Pic Noir. Il faudra battre tous les buissons, inspecter tous les ravins. Et il a pu faire une chute. Nous irons tout droit et reviendrons par l'ermitage. Retrouvons-nous là. Entendu. Joselito! Tu n'aurais pas dû venir. Oh, monsieur le curé, qu'est-ce qui est arrivé à José? Avertir les gendarmes des villages environnants pour qu'ils se mettent immédiatement en campagne. C'est peut-être l'homme qui a vu Crispin qui a fait le coup. C'est sûr. Il a l'air d'un bandit avec sa barbe. Il faut le trouver. La barbe, vous qui faites des miracles. Ramenez-moi mon Joselito. Ayez pitié de moi. J'ai confiance en vous. Intercédez auprès de Dieu pour qu'il nous vienne en aide. Je vous en supplie. Elle n'est pas bénie encore. Pour moi, c'est pareil. Je la vénère. C'est José qui l'a faite. Elle est sacrée pour moi. Oui, je sais, ma fille. On va rouvrir cet ermitage et je viendrai la bénir et dire la messe le jour où on reviendra Joselito. C'est vrai? Je t'en donne ma parole.
Allons. Viens maintenant. C'est beau, tu sais, Pépino. Pour moi, la musique n'a pas de secret. Du Miserere jusqu'au flamenco. Tu ne connais pas le flamenco? Oh, si, très bien, j'aime beaucoup ça. Il faut un bon public pour chanter ça. C'est un chant triste. Pour battre de la main droite comme pour couper des tranches de saucisson, tu vas voir, écoute. Oui, oui, je sais, je ne chante pas très bien. N'empêche, mon petit, que j'ai eu un succès fou en Andalousie. Oui, dans ce pays, on peut gagner beaucoup d'argent. Dans mon gramophone, il y a une de ces chansons. Comment tu as un gramophone? Il est grand comme ça. C'est un de ceux qui ont un pavillon et tout. Ah oui. En un almendro y el pico se estaba dando la miraba y me reía, porque me estaba acordando de cuando tú me... Continúe, Joselito, continúe. Hasta llegar a Sevilla Buena, cuando Guillo Guara, hasta llegar a Sevilla. Y cuando llegues a tierra quedes, mundo en maravilla, ay, le das recuerdo de Huelva. Darío, al final cual de talán, rosa del campo lunario, como te hallas sin mí, si yo sin ti no me hallo, que te reconocí. Arrímate, ay, fichón a mí, que yo no puedo vivir sin ti. Vivir sin ti, yo no puedo más, fichón a mí, a ver, vas a matar. Que quítate del sol que te quema, que quítate del sol que te pone, que la carita morena. Le bon Dieu merci vous le rendra. Merci. 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 Tu as une très belle voix et tu chantes d'une façon que j'aime beaucoup. Prends ces 10 douros, s'ils sont pour toi. Mais pour toi tout seul, hein? Tu ne les donneras pas à ton père. C'est pour que tu t'achètes un jouet. Tu as des jouets? Des jouets, non. Viens chez moi ce soir et je t'en donnerai. Je te donnerai aussi un joli costume qui t'ira bien. Je te donnerai un ballon et aussi une bicyclette. Est-ce que tu sais monter à bicyclette? Non, mais j'apprendrai. Vous avez un enfant? Oui, il est grand avec des grosses moustaches. Allez, à ce soir, je compte sur toi. Embrasse-moi. Où habitez-vous, madame? Oh, tout près d'ici, au bout de la rue, là. N'importe qui vous indiquera la maison de madame Remedios. Au revoir. Au revoir. Mon garçon, fais attention parce que moi, je n'y vois rien du tout. Je crois que cette dame nous invite à dîner, non? Non, elle a dit qu'on aille la voir et c'est tout. Bien sûr, c'est la même chose. Je crois que cette fois, on a le vent en poupe. Tu vois, je te l'avais dit, on va bientôt être millionnaire. Mais tu dois ménager ta voix, mon garçon. Dès qu'on a ramassé les... Ça a été. Hein? Quand le public a payé, fini la représentation. Compris? Bon, très bien. Il n'y a personne? Non. On ne nous regarde pas, surveille les vieilles qui jouent aux cartes. Ça va. Bon, dans ce cas, toi, regarde. Et en voilà de l'argent. Ah, sans compter tes 10 douros. Où sont-ils, les 10 douros? Ils sont là. Donne-les. Non, non, ils sont à moi, non. La dame m'a dit qu'ils étaient pour moi. Mais toi et moi, on a décidé d'être associés. Donne-les. Non, la dame m'a dit que je les donne surtout pas à mon père. Eh bien, mon enfant, respectant ses désirs, je suis pas ton père. Mais qu'elle le veuille ou non, je crois que les 10 douros vont être pour mon père. Merci, garçon. Il ne vendra pas le coucou. Quel coucou? Une horloge que mon père a déjà voulu vendre pour de l'argent. C'est arrivé quand, ça? Oh, l'autre jour. Mais alors, tu as des parents? Oui. Et pourquoi tu m'as dit le contraire? Je voulais partir avec vous. Mais tu n'aurais pas dû faire ça, hein? Je risque d'être arrêté, on va croire que je t'ai volé. Tu m'as collé dans le beau drap, mon petit. Voyons, est-ce que ton père sait que je t'ai emmené? Non.
Oh, sainte mère de Dieu, qu'est-ce qui m'a rejeté de tout ça? Si vous voulez, je m'en irai. Oui, va-t'en. Va-t'en tout de suite. Va-t'en. Tu vas causer ma ruine. Va-t'en. Joselito. Joselito. Une minute. Non, on ne me quitte pas encore. Si tu pars, on ne se reverra plus. Les choses vont peut-être s'arranger. J'écrirai un petit mot à ton père. On va lui écrire ensemble, mais plus tard. Tu es heureux avec Pépino. Eh bien, Pépino l'est aussi avec toi. Pépino n'a rien au monde, et du jour où il t'a trouvé, sa vie a changé du tout au tout. C'est pour ça que j'ai pas pu supporter que tu t'en ailles. J'ai cru qu'on me volait. C'est drôle, car c'est moi qui te vole. Me voilà voleur d'enfants, garçon. Mais tu verras, tout se passera bien à présent. Allez, viens vite, viens vite. Écoute, Pépino, on peut changer de père après tout. Qu'est-ce que tu me racontes? Ou alors, en avoir un second? Moi, je serais content que tu sois mon père, je t'aime bien. Oh, tu as bien assez du tien. Non, le mien ne m'aime pas. Il te fouette? C'est bien pire. Il tape sur ma mère et il voit. Je dois dire que moi, je tape sur personne malgré mon air méchant. C'est de la tendresse. Et je crois que j'en manque autant que toi. Je n'en ai jamais eu. Mais je pense que c'est une grande chose. Une chose très importante. Oui, je serai pour toi un père de rechange. Et quand je dirai mon fils, c'est très possible que tu le crois. Moi, je commence à le croire. Tiens, prends. Ce billet t'a été donné pour toi, pas pour ton père, hein? Oui, tu parais méchant, Pépino, hein? Mais tu as bon cœur. Garde-le. Ah, les comptes sont les comptes, la dignité, la dignité. Ce billet est à toi. Bon, d'accord. À l'occasion, tu pourras m'offrir un bon cigare. Il y a longtemps que je n'ai pas fumé un cigare. Et si je te donnais plutôt du chocolat? Un cigare me ferait beaucoup plus de plaisir. Avec un cigare dans la bouche, comment demander l'au monde? Tu as raison, ce serait une complication. Mais oui. Ah, tu pourras le fumer quand il n'y aura personne. Si on ne voit pas avec, je n'ai pas besoin. C'est vrai, oui. Allez, viens. Regarde, en voilà un autre. Joselito, où es-tu? Un autre affaire à cheval. Lâche-le, on en a assez comme ça. Ça va te porter chance, prends-le. Ça, c'est gentil. Il faut l'embrasser. À quelle heure on est invité à dîner? Vas-y. Ah, tu vois, j'ai appris tout de suite. Oui, je vois. C'est grâce à moi, fiston. Elle est rudement jolie, ma bicyclette. Elle a trois roues et tout. Pépino, tu as vu des bicyclettes à trois roues? Oui, c'est grand temps. Tu parles si je suis content. Elle est gentille, cette dame. Elle nous en a donné des choses. On peut dire qu'on a de la veine. Ah, tu verras à Monagibel. Monagibel, c'est un village de grands seigneurs. Une foire épatante. Avec des taureaux et une belle fête de nuit. Et là, on va peut-être pouvoir se faire le luxe de dormir dans un lit. Il n'y a pas de pont, d'ailleurs. Alors, on va à l'hôtel. Viens ici, petit, viens, sinon tu vas tomber. Pourquoi je mets pas le costume que la gentille dame m'a donné? Ah, ce serait ridicule, tu vois pas de quoi j'ai l'air, moi. Oh, je veux le mettre, dis oui. Mais non, si toi tu es très élégant et moi en loque, on va nous regarder et tu vas avoir honte de moi. Tu me laisseras prendre le sifflet, alors? Ah, ça, si tu veux. Tiens. Et ça, qu'est-ce que c'est? Un col de marin, tu sais, les hommes qui vont sur mer. Bah, ça, c'est un col d'enfant riche. Mais attends que je l'arrange mieux que ça. Ça se porte comme ça. Là. Quand on aura beaucoup d'argent, je te paierai un costume avec un col marin. Ah. J'aurai le droit de mettre celui-ci. Non, pas question de ça. Les haillons sont mon uniforme. C'est ma devanture. C'est les gens. Ils cherchent pas à voir le vrai malheur des autres. La seule chose qui plaigne, c'est la misère qui se montre à eux. C'est eux les aveugles, je les lis. Dans ce cas, s'il faut que tu t'habilles comme ça tout le temps, moi c'est différent, je veux bien être chic. Bon, t'as peut-être raison, mais le... Allez. Oh, j'ai envie de le voir, viens vite. C'est pas la peine, tu peux le voir d'ici. Non, descendant d'ici, on le voit mal. Bah, reste là.
quelqu'un. Joselito, où tu vas? Non, me quitte pas, viens, Joselito. C'est dangereux, il peut s'échapper. Il va dans la maison. Ah, viens, voyons. Vas-tu m'obéir, Joselito? Retournons à notre travail, on n'a rien à faire ici. Allons, viens, mon gars, viens vite. Allons. Venez, les enfants, venez faire un tour sur les petits chevaux de Monsieur Antoine. Regardez comme ils sont beaux, mes petits chevaux de poire. C'est le plus joli manège de la poire. Venez, mes petits enfants, venez faire un tour sur les chevaux de poire. Voyez comme ils courent, voyez comme ils volent. Allez, montez, montez, montez vite. Regarde les chevaux de poire, Pépino. Oh, comme ils courent. Regarde s'ils vont vite. Donne-moi de l'argent. Non, plus tard. Pas maintenant, Joselito. Tu vas aller chanter devant ce café, là. Mais il n'y a personne. Mais c'est mieux que s'il y avait trop de monde. D'ailleurs, les gens viendront. Allez, dépêche-toi. Et puis, tu sais, quand les gens entendront ta voix de rossignol, ils arriveront tous. Tu vas voir ça. Allons, on y va. Et pendant que tu chantes, fais le tour avec le chapeau pour quitter. Ah, tiens, voilà. Installe-toi ici. Venez, les enfants. Montez sur les fausses chevaux de bois de Monsieur Antoine. C'est la plus grande attraction de la fête. Voyez comme ils sont rapides, comme ils courent. Allez, montez vite. Allez, allez, faites un tour de manège. Ces beaux chevaux n'ont besoin ni de cravache, ni de tronc. Venez faire un tour de manège, mes enfants. Tout le monde peut monter dans une voiture, mais sur un cheval, il n'y a que les cavaliers. Venez essayer. Venez, les enfants. Personne ne m'écoute. Ils regardent tous le taureau. Ils n'ont aucun goût. Tiens, regarde, il a encore néhati. C'est à nous qui donne le coup de corne de la mort, Lolita. Je souhaite qu'il ne s'échappe pas comme l'année passée. Il s'en est fallu d'un poil que je sois éventré. Toi ? Oh, mon Dieu. Tu te rappelles pas comme j'ai dû courir ? Heureusement que je suis laisse. Allez, chante, Joselito. Taisez-vous, écoutez la chanson. Écoute, Lolita, écoute comme il chante, ce petit. Joli avec ce petit chanteur. Il nous manquait plus que ça. Dios sabe, están mirando, viendo sangrar.
Venez avec moi. Vous entendez? Vous êtes agent de police? Mais non, venez. Écoutez, je jure que je n'ai rien à me reprocher. Allons, venez. Joselito! Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? C'est ce monsieur qui veut m'emmener en prison. Qui, toi? Mais pourquoi, Pépine? On n'a rien mais fait de mal. Mais n'en est pas question. Non, c'est chez moi que je vous conduis. Et là, tu chambras ce que tu voudras. Ah bon? Bien sûr, on y va tout de suite. Bon sang, quelle frousse vous m'avez collé. Venez, tenez par là. Ça y est, ce que nous veulent tout notre public. Regarde-le là, tout le monde le suit. C'est l'armée d'ici qui t'accompagnera. Ça veut dire que moi... Cher ami, veuillez entrer, mais attention à mon chien. C'est là, entrez. Revoloteando, nido destruido, corrió un sillón, pecho amarillo, con sus alitas casi sonando, su pajarita anda buscando. Mais dis donc, où as-tu appris à chanter comme ça? Ma foi, j'en sais rien. J'en chante une autre? Non, pour l'instant, ça suffit. Comment t'appelles-tu, petit? Joselito. Veux-tu boire quelque chose? Non, non, merci beaucoup. Tiens, prends. Oh non, c'est très gentil, je ne chante pas pour ça. Je le sais, mais c'est pour te remercier. Merci. Je vais vous chanter une autre chanson. Comme tu voudras. La Soléa, Joselito. Chante-leur la Soléa. Où vas-tu? Je reviens. Laisse-le, le maestro va t'accompagner. Il fait ça très bien. Du whisky. Parfait, du whisky. Je prends du whisky. Voilà. Tenez, là, il y a de la glace. Merci. Attention. Et pourquoi? Ça ne se boit pas si vite, le whisky. C'est que j'aime pas beaucoup ça. Il y a encore un peu pour que je m'y fasse. Merci. Buvez, buvez. Votre garçon, il en a du talent. Mon garçon, c'est le plus grand artiste du monde. Je bois à toi, Joselito, et à toi, Pépino. C'est la vie, mon sang. Johnny Valque, le meilleur, hein. Ce vieux Johnny, ami Johnny, ne te tarie pas. De ya, cuánto sufrirá
Oh. Vive la Givelle. Et vive mon fils Joselito. Vous le trouvez extraordinaire, mon Joselito. Je l'ai découvert, moi. Je suis un idiot avec toute la barbe. Mais j'ai dit ce gosse-là une mine. Et j'ai eu raison. Mais reprenez-le, je ne l'ai pas mérité. Et vous mais avez non, regardez, ce n'est pas de la faute. Nous allons partir. De le voir et de l'entendre. Pourquoi êtes-vous si sérieux, monsieur? Riez donc, riez. Et enlevez donc ces binocles. Viens, Pépino. Allez, mon garçon. Viens, pardon, pourquoi Pépino. Veux-tu partir? Je suis très content ici. Trop ridicule. Moi, jamais je m'en irai d'ici. Monte ton billet donc. Que t'as gagné. Tiens, c'est vous, l'agent de police. Ben, l'agent de police. Serrons-nous la main, vieux. Et si vous me cherchez, vous savez où trouver Pépino l'aveugle, votre serviteur dévoué. Viens. Montez sur ces chevaux de bois. Joselito, qu'est-ce qu'il te prend, hein? Hein? À présent, tu es comme mon père. Et c'est pour ça que j'ai pas voulu rester chez nous. Je l'ai vu un jour aussi saoul que toi. Pardon. Jamais je ne boirai plus. Tu ne me verras plus dans cet état. Je suis un être méprisable. Je me déteste. Je suis un voyou. Oui, Joselito, je suis un voyou. J'ai honte de moi parce que je suis qu'un vieil égoïste. Autrefois, je pensais pas à grand-chose. Quand j'avais la bourse pleine, j'allais manger et puis je me couchais là. C'est vrai, je pensais à rien d'autre. Et je savais pas que j'étais un voyou. Et aujourd'hui que je t'ai, je le sais. Et c'est ce fardeau-là qui m'écrase. Non, non, c'est fini. Tu me verras plus comme ça. Je vais aller me passer la tête sous l'eau. Tu verras. Je vais aller me laver et après je serai dessoulé. Regarde-moi. Voilà une bonne douche. Attends, tu vas voir. Viens ici, aide-moi, petit. J'arrive pas à me plonger la tête sous l'eau. Aide-moi, vas-y. Allez, allez. Voilà, ça y est, le whisky est noyé, on ne le voit plus. Et dire que tu croyais que j'avais beaucoup bu. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu, tu allais le perdre. Mais qu'est-ce qu'il dit que c'est le nôtre? Si, c'est le nôtre. C'est vrai, oui. C'est sûrement qu'il est tombé d'ici. Tout ça parce que je suis un âne. Je suis un âne et rien d'autre. Un âne. Pourquoi tu l'as acheté? Parce que je suis pas digne de ce qu'il me donne. Mais ça fait rien. Tout va aller bien. Tiens, voilà. Pour jouer à la loterie et monter sur le manège. Je vais chez le monsieur qui nous a reçus pour rechercher la guitare et aussi pour lui demander pardon. Je te jure que ce sera difficile. Et tu me retrouveras sur le champ de foire. Oui. Hein. Ça lui paraîtra impossible que je me sois dessoulé si vite. Hein. Mais c'est qu'il y a des choses qui ouvre le cerveau plus vite que n'importe quelle trépanation. Tu m'as donné une leçon. Tu crois que j'ai faim? Il est déjà plus de 10 heures et il n'y a pas 4 chats chez nous. Mais tu peux regarder la tombola et le tir à la cible. Il y a des clients, les gens courent là où ils peuvent gagner quelque chose. Oh, on n'y peut rien, il n'y avait qu'à pas venir ici. Les autres fois, c'était à qui arriverait le premier sur le manège. Qu'est-ce qui te prend? Mais pardon, tu vois pas qui est là? C'est le gosse qui chantait si bien ce matin, non? Lui-même. Oh, j'ai une idée. Hé, hey, mon garçon, t'as envie de monter? C'est gratis, si tu veux. Mais j'ai l'argent de Pépino. Qui est Pépino? Ton père? Oh non, monsieur. Allez, vas-y. Tu paieras pas et tu feras autant de tours de manège que tu voudras. Autant que je voudrais. Eh oui, je te le dis, mais faudra chanter. Pendant que ton cheval montera et descendra, toi, tu chanteras. Oui, monsieur. Sur un blanc.
Oh, allez, monte sur celui du milieu, s'il te plaît. Joli, hein? Parfait. À présent, chante. Chante et je parie qu'ils vont tous monter. Vous êtes avec ce jeune garçon? Eh oui. Je vous propose une chose qui vous enrichira. Voulez-vous me le vendre? Quoi? Je vous achète le petit. Mon fils? Mais je croyais que c'était pas le vôtre. Dans ce cas, disons 1000 pesetas. Pas pour 1 million. Vous savez où est-ce que ça fait? Bien, pas pour 10, ni pour 100 millions. J'y tiens, ce gosse-là. Je vais lui demander son avis lorsqu'il aura fini. À qui? Au petit. Pour question, sinon je vous dis. Mais là, doucement, minute. Mais où donc vos affaires? L'argent, ça me dégoûte. Vraiment? Moi, j'en ai de l'argent. J'ai des billets de 1000 pesetas. J'en ai pas pour des millions, mais. Mais j'ai de l'argent et je vais emmener le gosse tout de suite pour vous apprendre. Non, vous parlez pas, dites-vous. Écoutez, écoutez-moi. Lola, viens ici. Est-ce que vous êtes fou? Écoutez-moi, monsieur. Ah non, mais vous fâchez pas, je vous en prie. Lola. Mais on pourrait peut-être s'entendre tous les deux. Voyons, écoutez-moi, c'est quelque chose d'important à vous dire. Mais si, on doit s'entendre. Et puis en fin de compte, c'est vous qui allez avoir la meilleure part dans l'affaire que je vous offre. Vous m'entendez? Allez, je vous dirai ça. Ce sera très intéressant pour vous, croyez-moi. C'est une occasion unique, ça. C'est la chance de votre vie, la fortune assurée pour vos vieux jours. Allons, allons, soyez raisonnable, écoutez-moi. Monsieur, vous ne pouvez pas refuser ça. Allons, mon ami, écoutez-moi, venez. Écoutez, je sais qui vous êtes. Je sais que vous n'êtes pas un vrai aveugle. Vous entendez? Hein? Parfaitement, vous n'êtes qu'un farceur, un voleur, un hypocrite, oui? Et où avez-vous volé cet enfant? Je m'en fiche. Tu parles, vous n'avez aucun droit sur lui, je le sais. Et vous allez voir de quel bois je me sauve. C'est cet enfant qui décidera. Écoute, mon petit, je suis sûr que ça te plairait de rester chez moi, non? Tu pourrais monter tant que tu voudrais sur le manège, tandis qu'avec ce type-là, qu'est-ce que tu feras? Un jour, il te vendra pour se faire de l'argent, au lieu que moi, je te promets de t'aimer comme un fils. Comprends-tu? Ma femme s'occupera de toi. Elle est si bonne. Alors, à toi de décider de ton sort. Viens, partons. Vous savez, je vous ai déjà vu traîner dans les autres foires. Je sais ce qu'il me reste à faire. Vous aurez de mes nouvelles. Nous t'avons abandonnée, ma pauvre petite. Tu dois avoir faim. Tiens, prends. Prends. Elle ne veut pas manger. Joselito. Tu as été très bon de ne pas vouloir rester avec cet homme. Et de ne pas croire ce qu'il a dit. C'est très chic, José. Allons. Fais donc un sourire. Oh. Ça me vaut rien d'avoir de l'argent. Je fais que des bêtises. Tiens, prends. Prends les sous de Don Carlos. Oh, quoi? C'est le même qu'il m'avait donné. Qu'est-ce qu'il t'a dit? Oh, l'histoire est arrangée. C'est un grand seigneur. Il m'a forcé à garder ce billet. C'était un cadeau, pas un marché comme l'autre. Cette espèce de gredin, il pensait que je te vendrais pour ça, pour ce bout de papier vert. Quelle horreur! Pour gagner un peu d'argent, les hommes s'achètent et se vendent. Tu vois aujourd'hui pourquoi ma vie est si difficile. Jamais je n'imiterai ces gens sans conscience qui font n'importe quoi pour amener quelques sous chez eux. Je dégoûte en croyant que je te vendrai. Mais tu es tout ce que je possède. Et je t'aime bien trop.
Qu'est-ce que vous cherchez? Eh ben, répondez donc quand on vous cause. Il en a une drôle de bille, celui-là, il est pas de la police. Le butin, où est-il? Il va rester longtemps ici, non? Je te l'ai dit, Joselito, les jambes dégoûtent. Oh, ça doit être un voleur comme le gars du manège. Donne-moi ton fric, j'ai vu que tu l'as mis dans la poche de ton pantalon. Fiche le camp, sinon je te ferai filer en vitesse. Mais t'apprendrai à être poli, moi. Oh, papy! Faut le camp. Je te dis de foutre le camp, compris? Reste derrière moi, petit. Pour la dernière fois, je te dis de foutre ton le camp. Ton fric d'abord, rouge tes tripes. Non, non, fais pas ça! T'es fort, ta sale peau! Joselito, va-t'en! Oh, je vais toucher au gosse, tu vas le payer! Joselito, réponds-moi. Qu'est-ce que tu as? Tu es blessé? Mais, mon Dieu, dis-moi quelque chose, Joselito. Joselito. Qu'est-ce qui se passe? Oh, c'est affreux, Joselito est blessé. Il faut chercher du secours immédiatement. Est-ce que tu m'entends? Eh, vous deux, dites-moi où je pourrais trouver un médecin. J'ai un enfant qui est très mal. À cette heure-là, c'est difficile. C'est l'enfant qui chantait? Oui. Mais au fait, ton Manuel est chez lui? Ah. Je l'ai vu passer à l'instant. On va l'accompagner. Venez avec nous. Venez vite. Merci. Pourvu qu'il soit encore temps. Qui est le père? Est-ce que c'est vous? Non, docteur. Mais enfin, il doit bien avoir un père. Oui, docteur. Prévenez ses parents. Je pense que ce ne sera rien. Simple commotion qui passera bientôt. En tout cas, il faut bien laisser passer 24 heures. Avant demain, je ne serai pas fixé. Et où vivent ses parents? Je crois que c'est à Villahonde. Vous croyez? Ah, mais ça y est, je vous reconnais. Voyons, mais vous étiez aveugle. Je vous ai vu aujourd'hui. Qu'est-ce que ça fait ce que je suis? C'est pas ça qui compte. Sauvez-le, sauvez-le. J'essaierai avec l'aide de Dieu. Il faudra que nous éclaircissions bien des choses. Hé, hey, les enfants, ne restez pas là. Par ici. C'est cet homme, je le reconnais. Il était avec lui. Non, j'ai rien fait de mal. Non, je suis un honnête homme, je vous jure. C'est lui qui a voulu me suivre. Comment est-il? Je crois qu'il n'a rien de grave. Entrez, madame. Par ici. Oui, il est là. Chérie. Que s'est-il passé? Ce n'est pas grave. Le médecin dit qu'il va beaucoup mieux. Chérie, c'est maman. Réponds-moi. Maman. Joselito. Son état s'est bien amélioré. Il y a une heure, il ne pouvait pas parler, mais il est sur la bonne voie. Qui êtes-vous donc, monsieur? Je suis de Monagibel. Cet enfant était chez moi aujourd'hui. Et le filou qui l'accompagnait est maintenant sous les verrous. Il n'avait pas l'air d'un méchant homme. Nous venons d'une plainte pour enlèvement et séquestration. Vous êtes le père de ce garçon? Non, monsieur. Je suis le maire de Villahonde. Le père est ici. Ah. Maman. Pepino. Qui est Pepino, chérie? Pepino. Dis-moi, Joselito, qui est cet homme? Et pourquoi l'as-tu suivi? Pepino est mon papa. Pepino. Joselito, chérie, ton père est ici. Non. Mon père, le vrai, c'est Pepino. La vie nous donne des leçons, Sébastien. Celle-ci t'aura été salutaire. N'accordez pas trop d'importance aux paroles d'un enfant. Il ne se rend pas compte de ce qu'il dit. Probablement. Allez l'embrasser, allez. Non, je n'en suis pas digne. J'ai mérité ce qui arrive. Je n'ai jamais rien fait pour lui. Bah, allons, viens, Sébastien. Tout ça, c'est du passé. Maintenant, pense à l'avenir. Allez, mon vieux, il faut oublier tout ça. Vite, conduis-nous à la prison. Allez, viens.
verrons si la pétition que nous avons faite sera suffisante pour qu'on relâche ce bon à rien. Sinon, c'est nous qui le font sortir. Cette fille, non, en prison. Mais qu'est-ce qu'ils vont ? Mais où vas-tu? Où vas-tu, mon chéri? À la fontaine. Non, laissez-le faire. Je vais avec lui. Qu'est-ce que tu cherches là? La chance. Tu dis? La chance de Pépino. Allez là-dedans. C'est ça? Oui, c'est sa chance. Il l'a acheté là-dedans et depuis tout va mal. Venez vite maintenant. Après tout, tu as toute raison. Miraba y me reía. ¡Joselito! ¡Pepino! Tu es tout à fait guéri. Oui, Pepino. Quel sens je me suis fait sans nouvelles de toi? Nous venons te chercher. Les gens te croyaient méchant, figure-toi. Oh. J'aurais dit que tu étais l'homme le meilleur du monde. Allons, ouvre-lui la porte. T'es un vrai fils. C'est joli chez toi. Entre. Ça te plaît, cet hôtel? Mais dis-moi, et Primrose, où est-elle? On en a fait des côtelettes pour que tu puisses les manger. Non. C'est une blague, elle est à la maison. Ah. Je t'ai apporté ta canne. Quand t'es parti, tu n'as pas eu le temps de l'emporter. Mais quoi qu'il arrive, tu ne feras plus l'aveugle. Et tout ira bien mieux, tu vois. Oh, peut-être. Si, regarde. Un autre? Non, non, c'est l'autre. Celui que tu avais jeté dans la fontaine. C'est de ce jour-là que tout a mal marché. Maintenant, tout ira bien, j'en suis certain. Nous n'irons plus dans les foires de village. On va devenir des gens chics. Tu seras très heureux. On va être bien fringués. Adieu les lunettes et la canne d'aveugle. Tu prendras des leçons de chant à l'opéra. Tu verras des tramways et des autos. Mais à quoi tu penses? Tu iras seul à la ville, Pepino. Moi, je vais avec mes parents. Voyons, qu'est-ce que tu racontes? J'ai tes parents qui passent leur temps à se battre. Oui, les voilà. Ce sont mes parents. Tiens. Alors, entrez. Les voilà. Venez, madame. Joselito, on a oublié d'allumer les cierges. Va le faire. Dépêche-toi, mon petit. Allez, viens, viens. Tout à l'heure. Son fe.